Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Ok. Donc ce soir, nous allons nous entretenir sur les questions identitaires. Vous en avez déjà entendu parler? Oui. Ok. Mais avant d'entamer le thème proprement dit, je vais vous poser quelques questions sur le projet qui nous réunit ce soir. Qui va nous dire c'est quel projet qui nous réunit ce soir? C'est le projet Pangaya. Le projet Pangaya, oui. Pangaya est un projet qui réunit plusieurs personnes physiques et morales et des organisations différentes pour les gens qui méritent pour rendre plus juste, plus solidaire, plus inclusif, pas de rencontres et d'incidents, mais d'échanges et de partage d'expériences. Applaudissez pour lui. Voilà, qui va nous dire les pays qui ont fondé Pangaya? Le pays fondateur de Pangaya, c'est la Bulgarie, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Canada et le Burkina Faso. Pangaya m'apporte plus de connaissances et d'informations sur la diaspora. Très bien, applaudissez pour lui. Maintenant, nous allons vraiment aborder notre thème, proprement dit, sur les questions identitaires. Pour commencer pour ça, je vais demander à quelqu'un de ma gauche qui va nous dire qu'est-ce qu'une identité. L'identité est une information tendant à une individualisation d'un être, pas seulement son prénom, sa date de naissance, ses emblèmes, ses racines. La carte d'identité. La carte d'identité, oui. Aspect physique. Son aspect physique, oui. Ou sa provenance, tout simplement. Maintenant, vous allez me dire la cohabitation. Je crois que vous en avez déjà entendu parler. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la cohabitation? Oui. Très bien. Applaudissements. Qui va nous dire ce qu'il entend par conflit? Un conflit est une opposition entre personnes ou entre entités. Ok. Souvent, on peut avoir des conflits politiques. Des conflits politiques. Des conflits religieux. Des conflits religieux. Les conflits territoriaux. Oui. Des conflits raciaux. Racial. Les conflits de pouvoir. Les conflits socio-politiques. Comme les conflits socio-économiques. Ok. Est-ce qu'une ethnie? C'est un ensemble de personnes qui partagent la même langue, la même tradition, la même culture, la même coutume de génération en génération. Donc vous avez été excellent pour ce soir. J'espère que les prochaines réalisations seront à tout rapport plus meilleures. Oui. Donc bonne soirée à vous. Merci. Merci.